Salut à tous, bienvenue, on est sur Skyrim, c'est Kiomarek, le mage le plus improbable de tout bord de ciel. Et voyez, j'ai déjà fait quelques petits ups. Voilà, en voilà un. Un menu un peu plus sympathique, plus beau. J'ai trouvé ça sympa, j'ai vu ça sur le workshop de Steam, alors j'ai tout de suite sauté dessus. Donc voilà, pour moi c'est beau, ça change du truc habituel avec la fameuse brume et le grand symbole de Skyrim. Voilà, c'est trop beau. Et en plus la musique est magnifique. Mais bon, on n'est pas là pour écouter juste de la musique, on est là quand même pour jouer un petit peu. Alors j'ai rajouté quelques petites choses assez intéressantes. Alors non, les cris de chien, ça c'est chez moi et pas directement dans le jeu. Alors j'ai rajouté des dragons supplémentaires. Alors, quand je dis dragon supplémentaire, c'est vraiment. Il y aura une grosse variété de dragons. J'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus. De pas tomber toujours sur les mêmes. Alors, error code 1. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai rajouté aussi, voilà, le Sky UI. Apparemment, c'est ce qui me permettrait en fait d'avoir. Une meilleure. Ah, je crois qu'on a un problème, effectivement. Voilà. Donc, Sky UI qui me permet en fait de vraiment. De gérer beaucoup plus facilement tout mon inventaire, hein. Donc vous voyez, hein, je peux vraiment le gérer de manière un petit peu plus facilement. Alors là, le problème, c'est que apparemment, il l'a mal téléchargé parce que il a pas, il met pas, il ne peut pas les classer correctement. Donc apparemment, il y a une petite erreur à ce niveau-là. C'est pas gravissime. Pour l'instant, on va dire que c'est pas le truc qui me perturbe le plus. Alors, on était sorti de ce fameux. Alors déjà il fait super noir, c'est génial. Ah, il faut que je m'habitue à ça parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Ah, voilà. C'est bizarre que mon. Alors je dois être dans la brume parce que effectivement on voit pas grand chose. Oups, bordel. Ouais, je dois être dans une sacrée brume où il pleut comme pas permis. Parce que là vraiment mon écran est assez flou. Ouais, je pense que c'est. Ouais, j'ai pas envie de me casser la gueule. Voilà. Ok. À mon avis, on est dans un gros brouillard. Ouais, regardez-moi ça. On est dans un gros brouillard. C'est pour ça qu'on voit pas grand-chose. Ah, les effets météo, je les ai vraiment fait en sorte que ce soit le bordel. Que ce soit quand même difficile. Un minimum. Hein. Faut pas déconner. Qu'est-ce que c'est? Attends, on les voit pas. Putain, j'ai eu peur. Je croyais que c'était un loup. Non, c'était un petit renard. Donc ça va. Ok. Bah, en fait. Carte. On peut tout de suite retourner à Blancherive, hein, vu qu'on a le fameux. Il y a des ennemis à proximité. Ok, d'accord. Je vais me rapprocher de l'eau peut-être avant de me faire. Avant de me faire U. Hein. Voilà. Ah, c'est incroyable. On voit rien. On voit vraiment rien. Voilà. Il y a vraiment cette ambiance assez phénoménale. Mais il y a des ennemis à proximité, je peux rien faire. Vous êtes sérieux, je les vois même pas. Bon, c'est pas grave, je vais gagner l'autre rive. Peut-être que ça va me permettre de. Allez, l'autre rive, ça va me permettre d'échapper à mes poursuivants ou mes faux ennemis qui sont présents. Faut pas déconner quand même. Voilà. Alors, ça devrait être. Mieux. Carte. Dites-moi que c'est bon. Mais c'est pas possible. Je suis pas poursuivi par des monstres quand même. Il n'y a pas 15 000 personnes à côté de moi. Bon. On va retourner au village. Parce que là c'est quand même abusé. Il n'y a pas 15 000 personnes autour de moi. Attends. Ouais mais là ça monte. C'est pas par là que je veux aller moi. C'est par là que je veux aller? Ok, d'accord, il y a du combat là-haut. Il y a du combat magique apparemment. Ouais. Voilà, ah, bien joué mec. Eh ben. Bonjour. Le ménestrel itinérant que je suis est à votre service. Un ménestrel. Ah, il peut m'enseigner l'éloquence, c'est bon ça. Bah tiens. Vas-y. Oh, je vois. Suite à un léger incident entre un jeune garçon rebelle et la fille d'un Tan très influent, eh bien, disons qu'il ne vaut mieux pas. J'ai peur que non. Mais si vous souhaitez vraiment affûter votre langue,
Vous devriez vous rendre à l'Académie des Bardes de Solitude. D'accord, ok. Pff. Ah, Oh, très bien. tu ne sers à rien, cher ami. Tu ne sers à rien. Alors, et est-ce que je peux là maintenant? Vas-y, déconne pas. Ah, voilà, enfin. Eh ben. Alors, la plupart des boutiques sont ouvertes de 8h à 20h. Ça, on connaît, hein, c'est les petites astuces classiques. Ah, les Argoniens, mes chers amis, mes chers copains. C'est un peuple assez bizarre, quand même, les Argoniens. Je me demande comment les gens font pour ne pas avoir peur de ça, quoi. C'est des gros lézards qui ressemblent aux dragons, alors c'est. Je sais pas, c'est chelou. Les gens sont bizarres quand même. Alors, une attaque puissante peut déstabiliser un adversaire et ainsi l'empêcher de contre-attaquer. Mais oui, bah ça. Ok, on y est. Ah bah le temps est un petit peu plus est au beau fixe. Il Voilà. paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Ah mais tu sais ce que je leur dis moi à la garde de l'aube? Je m'en bats les hugues. Pour l'instant, bien sûr, on ira après voir ce que nous veut la garde de l'aube. Hein, on n'est pas des brutes. Et on a récupéré donc l'artefact, ce qu'il voulait, la Mister Machin Chouette. Vous Et. voyez, la Ouais. terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. J'ai l'intime conviction qu'il s'agit de la copie d'un texte bien plus ancien. Elle doit dater de la fin de la guerre draconique. Si c'est le cas, je pourrais retrouver les noms par croisement avec d'autres textes plus récents. Bien. Contente que vous progressiez. Mes employeurs veulent des réponses concrètes. Oh, pas d'inquiétude. Le Jarl a fini par s'y intéresser et il me laisse désormais le temps d'effectuer mes recherches. Le temps passe par hangar, ne l'oubliez pas. Il ne s'agit pas d'une question théorique. Des dragons ont réapparu. Oui, ne vous inquiétez pas. Même si je donnerais cher pour voir de près un dragon vivant. Vous avez de Maintenant, la visite. laissez-moi vous montrer une autre de mes trouvailles. C'est intriguant. Ça devrait aussi intéresser vos employeurs. Ah, oui, la nouvelle coqueluche du Jarl. De retour du tertre des chutes tourmentées. Et visiblement en un seul morceau. Oh. La Le mec pierre de s'attendait dragon du sûrement à ce que je tertre des crève. chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Alors, et ma récompense, ouais. Voyez plutôt avec le Jarl ou avec son chambellan, Avenichi. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes, et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées? Bravo. Envoyez-moi un exemplaire quand vous l'aurez déchiffré. Varangar, vous devez Attention. venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Un dragon, comme c'est grisant. T'ont vu. Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. C'est qu'un dragon. Alors moi je suis même pas sûr de pouvoir faire quoi que ce soit. J'ai vaincu un dragon squelettique, mais ça devait pas être terrible. Ainsi, Rilet me dit que vous venez de la tour de Gay West. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de Gay? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Bah, bien Je sûr. veux que vous alliez aider Rilette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Helgen. Oh là là. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenichi que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je devrais vous accompagner, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Oh! Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons.
À vos ordres. Une dernière chose, Irilet. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel pour moi. Ouais. Alors, attends. Il m'a donné une armure. Alors, fuck. Ah, ça va bugger un petit peu, ça. En sachant, donc... C'était... Alors, on avait une armure elfique qu'on nous avait filée. Il n'y avait rien de spécial là-dedans. Et par contre, ouais, maintenant, faut que je trouve l'armure qui m'a filée. Je sais même pas laquelle c'est. Voilà, c'est celle-là. Augmente la compétence d'armure légère de 17. Ouais, bah c'est pas... C'est pas les trucs qu'on utilisera forcément. Hein. Bon, j'ai quand même des soucis avec Skyus, c'est un peu dommage. Je vais essayer de régler ça le plus rapidement possible. Et je dois suivre Irilet. Ouais, je dois suivre Irilet. Bon, elle va sortir, je pense. Allez, on sort tout de suite. Merde. Ah, bravo. Dibella est la déesse de la beauté. Un temple dédié aux femmes lui est consacré à Marca. Il doit y avoir de belles femmes là-bas. On va y aller. Petit frise sympathique. Alors elle fait quoi elle? Elle avance plus. Ok. Bonne chance. J'espère que vous arriverez à temps. Donc, vous inquiétez pas, je suis un argonien. On est frères lézards. Ça, tout va bien se passer. Je lui dirai bonjour et puis c'est tout. Génial. Merde, faut que je passe vous par là. Vous voulez pas être mon père? Ben voyons. Il y a un conflit en bord de ciel que ne peut résoudre ni la magie, ni le passage. J'ai pas de sous. Donne-moi immédiatement 10 centimes demain, guerrier né. Sinon je t'éclate le visage. Elle est violente la gonzesse. Ah bah voilà du monde. C'est peut-être avec eux que j'aurais fait. Non, 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 c'est pas ça, c'est ça, c'est ça, pas ça. Allez, vas-y, avance. Peut-être que... Bah non. Voilà la situation. Ah si. Un dragon attaque la tour ouest. J'adore, nous allons prendre cher. Vous avez bien entendu, j'ai dit un dragon. Peu importe d'où il vient et qui l'a envoyé. Tout ce qui compte, c'est qu'il a commis l'erreur d'attaquer Blanchrive. Mais, Muscarl, comment pouvons-nous affronter un dragon? C'est une bonne question. Les brigands, ça ne fait pas peur. La première fois que nous voyons ces histoires de dragons, et nous n'aurons jamais pensé de voir le monde est devenu fou. Si mince soit nos chances de victoire, notre honneur nous commande de l'affronter. Ce dragon menace nos maisons, nos familles. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur, mais la vie est belle. Je m'en fous, j'aime. Casse-toi. Nous sommes morts. Plus que notre honneur. Le mec, nous sommes morts. Merde, il y a du sang partout ici. Ouais, moi personnellement, je me casse. Hein. Oh non, mais sérieux quoi. Je vois déjà les mecs paniquer. On va tous mourir. Oh là là. Bande de mauviettes. Alors, on doit se diriger vers la tour qui se situe là-bas. Hop là. Oh super. Bah ça tombe bien. Salut mon cher ami. J'ai plein de choses à te vendre. Et par contre toi tu... Il me semble que tu as... Ah ok d'accord, voilà. Comment je fais pour passer de son truc à moi, son truc au mien? Tac 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 tac. J'arrive pas à passer de mon truc à... au sien en fait. C'est bizarre. Je ne peux pas passer de son... Comment je fais ça? C'est malin. Back switch. Ouais, je peux pas, hein. Il bug. Hein. Il
il bug, c'est chaud. Ouais, c'est que de l'achat, voyez. C'est que de l'achat et j'arrive pas à aller sur mon truc à moi. Ah, quelle merde, attendez. Peut-être avec la souris, j'arrive pas non plus. Je peux pas le faire, ok. Super, donc SkyEU, bug à mort. Bon, bah pour le prochain épisode, je le saurai. J'enlèverai SkyEU, dommage, hein. C'est dommage. Oh, la charrette. Comme c'est trop classe. Bah c'est la charrette des Khajiit. Oh putain, c'est trop classe. C'est bien foutu quand même, hein. Ok. Direction donc la tour de Guy. Ok, d'accord. Bah y'a déjà le feu, hein. Putain, je dois attendre là. Oh si, je veux pas attendre une heure, hein. Voilà, ils sont là. Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon on voit le labyrinthe de là-bas. Dans les parages. Si c'est le labyrinthe, ça. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous. Oh, c'est beau. C'est magnifique tout ça. J'adore Skyrim. Franchement, j'adore. Allez, en avant. Cherchons les survivants. Ils sont tous KO, casse. Il y en a un là. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor qui essayaient de s'enfuir. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. Ah bon ? Le voilà. Mettez-vous à couvert et que chaque flèche atteigne sa cible. Ok. Il est où ? Ouh ! Ah putain, ça il est là, c'est enfoiré. Ça marche. Merde, j'aurais pas dû dire. Je suis naze. Alors les flammes, je suis pas sûr que ça lui fasse grand chose. Je vais utiliser les étincelles. C'est ça que vous voulez, hein. C'est un dragon de feu en plus. Ouais, ça lui fait pas grand chose. Ça parle en plus. Oula, 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 oula. Ouhouhou, quelle violence. Ah, je peux pas l'atteindre. Il est où? Je l'ai perdu. Où est-ce qu'il a atterri? Ah putain, eux ils le suivent beaucoup mieux que moi, hein. Oh là là! Prends-toi ça! Bon éclair dans ta face! Oh la vache! C'est la première fois que je me bats avec de la magie contre un dragon. Quoi. Oh comment il lui a mis chez vert! Oh putain! C'est pas bon! C'est pas bon du tout! Wow! Ça brûle! Ça brûle à mort! Espèce de malade. Froid mordant. Hein? Espèce d'enfoiré. Ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Par contre là il va me cramer. T'es eu. Bon, c'est pas moi qui l'ai tué, hein. Malheureusement. Je l'ai pas achevé. Ah, ça va de nouveau bugger, je le sens. Alors, améthyste parfaite. Ça en prend. Les... ça, il en a bouffé, hein. Des gardes, je pense. Tu m'étonnes. Bah, ça, on va le prendre, forcément. Ça se vend très bien. Des écailles de dragon. Ah, ça se vend aussi bien, ça. C'est dommage, j'ai rien à mettre dans son
Oui, c'est Sky UI qui bug, hein. Mais c'est pas grave. Ah, les âmes de dragon, ça y est, ça commence. Utiliser. Alors, utiliser son cri, ouais. Voyons voir. Magie. Maintenant, ça devient très intéressant parce que. Avec ça, on a. C'est dommage que ça bug comme ça. Le Skyu, il fait schiss. Les cris. Ils sont là. Maintenant, j'ai le déferlement que je peux utiliser. Pourtant, j'ai. Voilà. Lancez le cri. C'est le pouvoir d'antan, la voix de l'enfant de dragon. Voilà, c'est fait. On l'a tué. Oh, on l'a tué. Ah, c'est crade. Allez, ça, c'est fait. On a notre nouveau cri qui déchire. Donc maintenant, il nous reste plus qu'à rentrer à Blanche Rive. On ayant fait notre part du travail, je pense que c'est ça. Informer le Yard. C'est dommage là pour cet épisode. C'est bête que Sky UI marche pas, mais au pire je m'en passerai pour le coup. Hein, c'est... Mais c'est dommage. Au pire je le réinstallerai. Je verrai un petit peu ce qui cloche réellement et puis je le réinstallerai. Et pourtant je l'ai pris avec Steam. Ça, c'est bizarre que ça bug. Non, c'est pas le plus important. On vous a déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici. Repartez d'où vous venez. Nous ne voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir lâcher. Je me fiche de ce que vous faites. Après ce qui s'est passé, vous avez de la chance que je ne vous jette pas en eau. Timbré. Tirez-vous. Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. Hé, hey, vous. Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blanche Rive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. Qu'est-ce que tu cherches ? Une femme qui ne vient pas d'ici. Une rouge garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici, à Blanche Rive. Vous nous trouverez à Rorikbourg si vous apprenez quelque chose. Ok, d'accord. On ne peut pas nous échapper indéfiniment. Au revoir. À toutes les nouvelles de notre proie. M'intéressez pas, les gens. Allons-y, Merde, fallait que je passe aussi à la forge. Elle est où, forgeronne? Est-ce que j'aurais des choses à lui vendre? Peut-être que c'est ouvert. C'est ouvert. Je vais aller vendre les choses que je n'ai dont je n'ai pas besoin. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Faites-moi signe. Salut. Bienvenue chez la guerrière. N'ayez pas... Vous je dois vendre. Vous protéger ou faire des dégâts? Alors, si tu savais. Ah mais oui, mais je peux pas vendre. Je peux pas vendre, je suis un crétin. Ah, mais oui. Bah oui, forcément. Ah, je suis un crétin, je suis un idiot. On ne peut pas vendre parce que je n'ai pas les moyens à cause de Sky UI. Ok. C'est un plaisir de faire affaire. Ah, que de malheur. Bon. Pas grave, je vendrai plus tard. J'espère juste que les 4 gîtes vont rester un petit peu plus longtemps que prévu. Que à eux, je peux leur vendre beaucoup de choses. Et sans problème en plus. Parce que je crois qu'ils prennent la majeure partie de mes articles. Vous avez réussi. Vous avez tué un dragon. Oh, c'est que ça. Je m'en fiche. Arrêtez de me parler. Allez. Donc annoncer qu'on a tué le dragon, c'est bien. Bon, je suis pas le dernier à l'avoir tué. Mais si j'avais un arc lié, ça aurait changé la donne. Là, franchement, j'aurais tiré avec. Mais je n'ai pas de cette magie de conjuration. Et moi, pas encore. Ça ne saurait tarder. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Me fait peur, lui. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Les grises barbes. Nous parlions justement de vous. Mon frère aimerait vous dire un mot. Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? Alors, ouais. Il s'avère que... Ah non, on s'en bat les couilles. J'ai tué le dragon. Alors, on l'a tué. Je savais que je pouvais compter sur Irilette. Mais il doit y avoir autre chose.
Et à la mort, j'ai absorbé une partie de son pouvoir. Ouais, à la mort du dragon, j'ai absorbé une partie de son pouvoir. Alors c'est vrai, les grises barbes vous invoquaient bel et bien. Alors, c'est quoi les grises barbes? Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. Et ils veulent quoi? On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blanche Rive? C'était la voix des Grises Barbes qui vous demandait de venir au Haut Hrothgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tiber Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, mon gars. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne? Il est peut-être très capable. Mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Tu veux que je te crie dessus? Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorant pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du premier empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenici, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces grises barbes lui veulent. Ce sont les affaires des grises barbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela n'est pas...